Thank you.
Seigneur Dieu, nous te bénissons dans le nom de Jésus pour ce temps que tu nous accordes de partager ce moment ensemble ce dimanche encore. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour la vie des frères et sœurs qui sont déjà connectés, qui me suivent. Seigneur, merci pour la vie, merci de leur accorder la santé, la grâce de faire en sorte, Seigneur, que nous partagions ce moment. Merci Jésus pour ta grâce et ta faveur. Nous voulons en ce moment, Seigneur, te confier ce temps. Nous prions que tu nous laves de tout péché. Nous prions que ton esprit soit présent pour que, Seigneur, ce que tu nous as mis à cœur soit partagé et que les cœurs soient touchés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Père, merci. Je sais que tu es là et que tu vas encore nous entretenir. Tu vas encore nous nourrir dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour les frères connectés, pour les sœurs connectées. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, bien-aimé, gloire au Seigneur. Je suis très content de vous retrouver encore aujourd'hui. Collins, thank you for being here. God bless you. Amen, Judith, sois béni. Merci d'être connecté. Merci pour Pusher. Je t'avais vu, c'est toi qui as été la première ou la deuxième personne à se connecter. Merci de me regarder maintenant, Pusher, Afia, Aïdi. Merci pour chacune de vos vies. Je suis très, 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 très satisfait de ce que chaque dimanche, vous me faites l'insigne honneur d'être là et de me suivre. Merci beaucoup, 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 beaucoup. C'est le Seigneur Dieu qui va vous bénir en abondance. Alléluia. Alléluia. Permettez qu'on chante encore un chant, n'est-ce pas? On chante encore un chant. Et après, nous allons entamer le vif du sujet, ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est un sujet très, très, très intéressant et très important. Je sais que la majeure partie de ceux qui me suivent sont des jeunes et certains ont déjà fait leur choix et certains vont le faire. Je suis très content de pouvoir partager le sujet d'aujourd'hui avec vous. Coucou à tout le monde. Dieu vous bénisse. Mireille, sois bénie de ce que tu es là déjà. Mireille, sois bénie. Ma petite sœur, Mireille, sois bénie. Alléluia. Permettez qu'on chante encore ce chant. Son nom est Jésus. Nous n'avons personne d'autre, si ce n'est Jésus. Et la toute-puissance est dans ses mains. Alléluia. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Permettez qu'on chante encore ce chant. Yes.
connaissons le Seigneur que nous servons. Nous connaissons le Dieu que nous servons. Et éternellement, nous allons le louer et l'adorer. Amen. Et c'est là même le bien fondé de astuce de louange. Fait en sorte que sur cette terre, que nous soyons de vrais adorateurs et que nous puissions impacter les vies pour qu'elles aussi soient de vrais adorateurs et que nous puissions aussi dans le ciel en ce précieux jour où le maître des maîtres va revenir et nous prendre avec lui, être de meilleurs adorateurs chez lui là-bas. Alléluia. C'est ça notre raison d'être. C'est ça la raison pour laquelle nous adorons le Seigneur. Amen. Donc, ce soir, bien-aimés, j'aimerais parler avec vous du choix du conjoint en tant que chantre de l'Éternel. Vous savez, nous sommes attaqués tout le temps. Satan nous attaque. Chantre de l'Éternel, si tu ne le sais pas, permets-moi de te le rappeler. Tu es une cible privilégiée de Satan. Il te cherche, il t'attaque tout le temps et il peut passer par tous les moyens de t'empêcher d'arriver à faire ce pour quoi le Seigneur t'appelle. C'est-à-dire adorer, louer et faire en sorte que les autres le fassent. C'est pourquoi il t'attaque par tous les moyens. Il veut faire en sorte que toi, tu sois quelqu'un qui pleure tout le temps. Tu sois dans des problèmes tout le temps. Tu passes par des moments d'incompréhension tout le temps. Et la partie où il t'attaque le plus, c'est dans le choix du conjoint. Si tu es jeune, chantre, et tu me suis maintenant, j'aimerais t'encourager à prêter attention à ces quelques paroles, quelques conseils que je vais partager avec toi. Alors voilà, il faudra que nous sachions une chose. Le monde musical est un monde dans lequel Satan a introduit beaucoup de débauches, beaucoup de perversité, beaucoup de perversion. Ça, il faut qu'on le sache, il faut qu'on reconnaisse cela. Et malheureusement, même dans la maison de Dieu, vous allez trouver de ces vies, de ces façons perverses de vivre parmi les chantres de l'Éternel. Vous allez trouver par exemple le responsable du groupe musical qui couche avec les filles du groupe musical ou qui dit à telle, je vais t'épouser et ensuite la laisse tomber et dit à une autre, toujours dans le même groupe musical, je vais t'épouser et ainsi de suite. Et ce qui se passe est que telle fille ne parle pas avec telle fille à cause justement de ce responsable de louange qui leur a dit à chacune d'entre elles, je vais t'épouser. Elle dit, faut me laisser mon fiancé, hein. faut pas toucher à mon fiancé. Hein. Elle dit, c'est moi. Hein. Elle dit, telle autre dit, c'est moi. Et c'est les querelles dans le groupe musical. Et il y a pire encore. Vous allez trouver le maître de chœur, celui qui enseigne les chants, qui fait des filles de la chorale ou du groupe musical, ses concubines, ses copines. Il couche avec elles toutes. Passe de fille en fille, dans le même groupe musical. Et bien aimé, tout ce monde-là vient se rassembler à l'église. Et ils nous conduisent dans les moments de louange. Et ils nous conduisent dans les moments d'adoration. Dites-moi, dans cette ambiance, comment voulez-vous que le Saint-Esprit se manifeste? Comment voulez-vous que les vies soient impactées? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi j'ai eu à cœur, ça fait déjà, je crois, depuis la semaine passée ou de deux semaines de cela, je ne m'en souviens plus, j'ai eu à cœur de partager ces quelques conseils avec vous qui êtes chantres, mais qui n'avez pas encore fait votre choix par rapport au choix du conjoint.
et vous vous posez des questions, comment faire, comment faire. Vous savez, un chantre qui est marié est plus en sécurité qu'un chantre célibataire. Bien-aimé, je vais répéter ce que je viens de dire. Un chantre marié. Ok? Un chantre marié est plus en sécurité qu'un chantre célibataire. Parce que quand vous êtes sur le podium et que ceux de la masse vous regardent, ah ben vous êtes insulé. Ah ben vous êtes beau, vous êtes belle à voir. Et certains se basent simplement sur le fait que vous chantez pour venir vous approcher. Et d'autres aussi se basent sur le fait qu'ils chantent pour choisir leur futur conjoint. C'est ce qui me pousse, bien-aimé, à vous montrer les quelques erreurs que nous faisons en tant que chantres dans le choix de nos conjoints. Première erreur, permettez que je prenne mes notes et que je vous les lise. Parce que je voudrais pas paraphraser cette partie. Alléluia. La première erreur que nous, les chantres, nous faisons quand nous voulons choisir nos conjoints, c'est que nous pensons que la personne là qui nous conduit dans l'église, ou bien que nous regardons à la télé, ou bien que nous regardons dans les différents concerts, cet artiste-là, ce chantre-là, que nous aimons, que nous apprécions, qui a une belle voix, ok, et qui conduit bien les moments de louange et d'adoration, que cette personne-là fera, oh, une belle épouse, oh, ou bien un bon mari. C'est-à-dire que nous croyons à tort que celui-là qui a la belle voix dans l'église et qui nous conduit dans l'adoration et dans la louange, cette personne, cet homme ou cette femme fera une belle épouse, une bonne épouse, un bon mari. Je voudrais te dire, droit dans les yeux, que c'est faux. La belle voix, le fait de bien conduire la louange et l'adoration, ne doit pas être un fondement pour choisir un conjoint, un futur conjoint ou une future conjointe. La belle voix. Je dirige la bien adoration, je dirige la louange. Et à cause de cela, toi, tu vas me voir et croire que, à cause de cela, je ferai une bonne épouse. Je ferai un bon mari. Non, non, non. Est-ce que vous me suivez? Bonsoir Edwige. Est-ce que vous me suivez? Deuxième erreur que nous faisons au chantre, quand nous choisissons ou quand nous voulons choisir nos conjoints ou nos conjointes. Beaucoup de chantres, je pourrais même dire à 98%, pensent que il faut nécessairement trouver une femme ou un homme qui soit aussi chantre. Ai-je menti, bien-aimé? Nous, les chantres, nous avons une habitude. L'habitude, c'est que nous voulons nécessairement trouver quelqu'un qui chante aussi. Ben, si la personne chante, c'est bien. Si elle ne chante pas, ce n'est pas mauvais. Ok? Pour vous dire que le fait que la personne chante ne fait pas de lui ou ne fait pas d'elle un bon mari, une bonne épouse. Nous voulons que la personne partage le même ministère que nous, nécessairement. Et à cause de cela, nous avons beaucoup de propositions. Ma sœur,
Tu chantes très bien, mais tu veux coûte que coûte trouver quelqu'un, ce garçon-là, qui chante. Même qui chante aussi bien que toi ou qui chante mieux que toi. OK? Ce qui fait que... Mais tu n'en trouves pas jusqu'alors. Et les propositions que tu reçois de gauche à droite, tu les rejettes parce que tu es en train de chercher ce garçon-là, cette femme-là ou cette jeune fille qui chante. Eh bien, c'est une erreur. Bien-aimés, les ministères que nous avons, soit de chantre, d'instrumentiste, d'intercesseur, ne doivent pas servir de base pour le choix du conjoint. J'ai, comment dirais-je, j'ai observé beaucoup d'aînés dans le ministère. Je les ai observés et j'ai vu la vie de certains d'entre eux. J'en connaissais même, bien-aimé. Et le monsieur était un chanteur parfait. Il chantait très bien. Il conduisait la louange et l'adoration avec perfection. C'est-à-dire, il était bien implanté, c'est-à-dire bien enraciné dans le ministère. Mais vous savez ce qui s'est passé? Il a manqué la coche quant au choix de sa conjointe. Il a raté le choix de conjoint. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout son ministère a été bousillé. Toute sa vie a été détruite. Et il est devenu, comment dirais-je, il est à terre, simplement parce qu'il avait fait un mauvais choix. C'est pourquoi, bien-aimé, ce que je suis en train de partager avec vous aujourd'hui est crucial. Tu es chantre et tu veux te marier demain? Tu es chantre et tu veux te marier? Tu voudras que quelqu'un te passe la bague au doigt demain? Tu voudras que quelqu'un soit ton épouse ou ton époux demain et que tu voudras bien vivre avec lui ou avec elle le restant de tes jours sur cette terre. Alors je t'en prie, écoute-moi très bien. Le ministère ne doit pas, le ministère seul doit, ou plutôt le ministère ne doit pas servir de base, de fondement, de critère. Voilà, voilà le mot, de critère. Pour le choix. Alléluia. Ce n'est pas parce que je chante très bien que je peux faire un bon époux. Non. Ce n'est pas parce que j'ai une belle voix que je serai nécessairement une bonne épouse. Ce n'est pas parce que je conduis la louange et l'adoration dans l'église et tout le monde me voit, tout le monde me regarde, tout le monde m'apprécie. Je suis, entre guillemets, la star de l'église. Et quelqu'un doit se baser sur cela pour me choisir comme épouse ou comme époux. Ce sera une erreur. J'ai connu beaucoup de chantres qui se sont basés simplement sur le fait que la personne chante bien, que la personne dirige bien. Se sont basés sur ce simple fait et se sont choisis pour devenir époux et épouse. Eh bien, le mariage n'a pas duré. La vie à deux n'a pas duré. Alléluia. Satan nous cible. Et l'un des moyens qu'il utilise aujourd'hui pour détruire beaucoup de jeunes chantres, c'est cette histoire de mariage. Ce que le diable utilise aujourd'hui pour faire du mal
à beaucoup de chantres jeunes, c'est cette histoire de choix de conjoint. Je disais tantôt que le chantre marié est plus en sécurité que le chantre célibataire. Je l'ai dit à dessein parce que, vous voyez, quand on est devant et qu'on exerce le ministère et que les gens nous applaudissent et les gens sont contents. Vous savez, beaucoup de personnes vous regardent, vous admirent et vous aiment. Mais en fait, ils vous aiment, pas vous-même, ils aiment plutôt ce que vous faites. Ils aiment ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire ils aiment votre ministère. Eh bien, jeune fille, ce jeune homme qui te regarde quand tu chantes aime ton ministère. Il aime ta voix. Maintenant, si demain ta voix n'est plus là, ou si demain, à cause de ceci ou de cela, tu n'exerces plus ton ministère, ce qui va se passer, c'est que l'amour va disparaître. C'est pourquoi il n'est pas conseillé de faire du ministère un critère de choix du conjoint. Parce que le ministère, on l'a reçu. Et la personne qui nous l'a donné peut encore le retirer. Nous avons reçu le ministère. Et on l'exercera pour un temps. C'est comme quelqu'un qui a épousé quelqu'un simplement parce que la personne est pasteur. Et si demain la personne n'est plus pasteur, l'amour s'en va. Alors bien-aimé, regarde très bien tes critères de choix de conjoint. Qui veux-tu épouser? Jeune, chantre de l'Éternel. Toi qu'on applaudit dans les églises. Toi qui as ce ministère, ce don confirmé, ce talent confirmé, qui veux-tu épouser demain? Un chantre? Un instrumentiste? Quelqu'un qui pourra te pousser dans le ministère? C'est bien. Mais attention de ne pas faire de cela un critère de choix, un critère important à telle enseigne que tu rejettes ce que le Seigneur est en train de t'amener. Parce que si tu fais de cela seulement le critère de choix pour choisir ton conjoint, tu as plus de chances de rater ton mariage. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais de vouloir épouser un chantre ou de vouloir épouser quelqu'un du ministère. Si c'est cela, si c'est cette personne que le Seigneur te donne, gloire à son nom. Maintenant, je sais que tu vas me poser la question, mais comment est-ce que je vais savoir que c'est telle personne que le Seigneur me donne et telle-là, le Seigneur ne me la donne pas. Et c'est la raison pour laquelle il est bien d'entretenir de bonnes relations avec le Seigneur, à genoux. Parce que tu ne le sauras pas si le Seigneur ne te le montre pas, si le Seigneur ne te dirige pas. Donc, pour choisir ton conjoint, c'est bien de vouloir quelqu'un qui soit dans le même ministère. Mais attention, ne dis pas qu'il faut que la personne soit coûte que coûte dans le ministère. Parce que le Seigneur peut faire en sorte que la personne ne soit pas du ministère, mais est plutôt un ministère qui soit, complémentaire à ton ministère. Je prends simplement l'exemple de quelqu'un qui est chantre, mais dont la femme ou l'homme ne chante pas, mais dont l'homme ou la femme est un intercesseur puissant.
Et bien ton ministère va aller loin parce que ton mari ou ta femme va intercéder pour toi, va te soutenir dans l'intercession. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'en conjure. J'ai l'habitude de dire que par la grâce de Dieu, nous sommes dans ce ministère, ça fait un bon bout de temps, et nous avons vu assez de choses. Bien-aimé, j'ai vu plusieurs de mes aînés qui ont eu leur mariage détruit simplement à cause de choix, à cause de mauvais choix. De la même façon que certains basent le choix de leur futur conjoint ou de leur future épouse sur la beauté physique, de cette même façon, d'autres aussi basent leur choix sur le fait que la personne chante. Attention. Ne le fais pas ainsi. Parce que la parole de Dieu le déclare. Proverbe 31, le verset 30 dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La beauté passe. Le ministère aussi va passer. Alors que deviendra l'amour? Sans cela, si tu te bases sur cela pour te marier, pour choisir la sœur, pour choisir le frère, qu'arrivera-t-il si le ministère n'est plus là? Si la belle voix n'est plus là? Si la beauté n'est plus là? Alors, quel sera alors ton choix? Ton critère de choix pour faire un bon choix. La Bible a encore donné la condition, ou plutôt le critère, la crainte de l'Éternel. C'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Et dans la crainte de l'Éternel, il y a l'obéissance. Dans la crainte de l'Éternel, il y a la soumission. Dans la crainte de l'Éternel, il y a l'humilité. Alors, il faut d'entrée de jeu que toi, chantre qui me suis maintenant, tu craignes l'Éternel. Beaucoup de chantres font de mauvais choix parce que eux-mêmes, ils ne sont pas sérieux avec Dieu. Eh bien, si tu n'es pas sérieux avec Dieu dans ton adoration, si tu n'es pas sérieux avec Dieu dans ta vie de tous les jours, eh bien, laisse-moi te dire que le Seigneur ne permettra pas. Il ne permettra pas à ce que tu puisses rencontrer l'une de ses filles qui est sérieuse. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il est écrit, j'honorerai celui qui m'honore, dit l'Éternel des armées. Donc, si toi, en tant que chantre de l'Éternel, ta vie est façon, ta vie est gondolée, ta vie n'est pas droite, la perversion a gagné ta vie et tu ne veux pas t'en débarrasser et tu es complice de cette vie, eh bien, sache que tu feras, tu as 80, non, pourquoi 80? Tu as 110% de chance de faire un mauvais choix. Ton futur conjoint ou ta future conjointe sera exactement comme toi. Et je ne donne pas cher de ton mariage. Parce que vous allez divorcer très, très, très rapidement. Alors la première des choses à faire, chantre de l'Éternel, il faut être en règle avec le Seigneur. Jeûne, chancre. Je sais que tu es entouré de beaucoup de filles. Je sais qu'il y en a même qui te font la cour. Et attention, ne tombe pas dans ces pièges. Ne tombe pas dans les pièges de ces jeunes gens qui t'envoient des messages par-ci, par-là, je t'aime, je t'adore, par-ci, par-là. Ne tombe pas dans ces pièges. Toi-même, sois en règle avec le Seigneur.
Il faut craindre le Seigneur. Protège ta vie. Protège ta vie en te débarrassant d'amis qui ne te permettent pas de vivre en conformité avec la parole de Dieu. En te débarrassant des conseils qui vont à l'opposé de la parole de Dieu. Chantre de l'Éternel, jeûne, réveille-toi, débarrasse-toi de mauvais amis, débarrasse-toi de mauvaises fréquentations, débarrasse-toi de tes amis qui te poussent à faire la cour aux filles par-ci, par-là. Sois toi-même en règle avec le Seigneur. C'est là un gros pas. Si tu arrives à être en règle avec le Seigneur, si tu arrives à bien disposer ta vie, à faire en sorte que le Seigneur trouve plaisir dans ta vie, tel un sacrifice vivant, bien-aimé, tu as fait la moitié du chemin. Tu as fait la moitié du chemin. Tu as fait la moitié du chemin. Maintenant, le deuxième pas, ou plutôt la deuxième moitié du chemin pour toi, c'est d'appliquer cette crainte même dans le soi. En faisant comment? En posant des questions au Seigneur. En exposant devant le Seigneur ce que tu veux, ce que tu désires. Souviens-toi, il est écrit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Tu vois, le premier pas, c'est de faire de l'Éternel ses délices. Et c'est ce que je viens de te dire. Il faut que ta vie soit en conformité avec la parole de Dieu. C'est cela, faire de l'Éternel ses délices. Il faut que l'Éternel soit ta passion. Il faut que l'Éternel soit ton désir de tous les jours. Il faut que tu sois assoiffé de l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Aime l'Éternel. Aime la présence de l'Éternel. Aime être avec lui. Aime vivre selon sa parole. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible non plus. Et alors, le Seigneur te donnera ce que ton cœur désire. Tu comprends? Chantre de l'Éternel, est-ce que tu me comprends? Je te disais que si tu arrives à bien disposer ta vie devant l'Éternel, tu as fait 50% du chemin. Et c'est à partir de cela que le Seigneur va faire en sorte que ce qui est dans ton cœur se réalisera. Donc, certains croient que c'est de la magie. Non. Non. Ce n'est pas de la magie. Il faut simplement appliquer la parole. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a un exemple, quand j'étais plus jeune, il y a un exemple dans la Bible que le Seigneur n'a pas cessé de faire résonner en moi. Et il a fait en sorte que j'ai gardé ce verset dont je vais vous parler tout à l'heure et j'ai grandi avec. Alléluia. Daniel 1, le verset 8. Daniel, le chapitre 1, le verset 8. Il dit ceci. Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller. Même si tu n'as pas compris les autres parties du verset, prends cette partie. Daniel, qui était jeune, qui était sur une terre hostile à Babylone en ce temps, qui était en captivité, il a résolu. J'aime bien l'équivalent anglais de ce mot résoudre. C'est-à-dire, il a résolu. Daniel made up his mind. Daniel made up his mind. Il a résolu, c'est-à-dire qu'il a dit dans sa tête, il a dit dans son cœur, il a dit dans son âme, « Hey, mon âme, écoute-moi, je refuse de me souiller. »
Et à cause de ce témoignage, et à cause de cette résolution, il a été élevé, lui et ses frères. À cause de lui, beaucoup d'âmes ont été sauvées. Et Daniel a été le prophète par lequel le Seigneur a révélé les événements à venir. Même avant l'apôtre Jean qui a reçu l'Apocalypse, qui a reçu les révélations de l'Apocalypse. C'est en effet par Daniel que nous savons que après tel roi viendra, et après tel roi viendra. Et les prophéties de Daniel continuent de s'accomplir jusqu'aujourd'hui. Daniel résolu de ne pas se souiller. Daniel made up his mind not to give up or to give himself up to perversion. Hallelujah. He made up his mind. Il a résolu de ne pas s'abandonner à la perversité. Alors, jeune chantre de l'Éternel, toi qui n'as pas encore fait ton choix, toi qui es en train de vouloir te lancer dans ce voyage qu'on appelle la vie à deux, le mariage. Il faut déjà commencer par mettre ta vie en règle devant le Seigneur. Very, very, extremely important. Il faut déjà commencer à haïr la perversité. Il faut déjà commencer par t'éloigner de tout ce qui ne te permet pas d'être en conformité avec le Seigneur. C'est un grand pas déjà. Si tu arrives à faire ça, ce qui arrive, c'est que même les désirs de ton cœur seront en conformité avec la parole de Dieu. Tu ne vas pas désirer des bizarreries. Tu ne vas pas désirer des âneries. Mais tu vas, tes désirs seront conduits, seront canalisés par la parole de Dieu. Et alors, le Seigneur fera en sorte que ses désirs s'accomplissent pour toi. Alléluia. Donc la crainte de l'Éternel est le premier pas. Le deuxième pas, c'est d'appliquer cette crainte dans ta quête de ton futur conjoint ou de ta future conjointe. Et je peux t'assurer à 100% que tu auras un mariage réussi. Et qu'est-ce qu'un mariage réussi? Un mariage réussi ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Oui, les problèmes peuvent venir, mais vous allez toujours les surmonter parce que l'Éternel sera avec vous. N'oubliez pas que le premier mariage a été institué et célébré par l'Éternel lui-même. Alléluia. Donc, jeune chantre de l'Éternel, je t'encourage à bien regarder autour de toi. Tous ces jeunes-là qui sont en train de sauter autour de toi, tu es belle, tu es ceci, tu es cela, tu as ceci, tu as cela. Quand je te vois, je vais rire un peu, quand je te vois, mon cœur fait frigo, ceci, cela. Et attention, attention, c'est beau. Vous savez, souvent, nos sœurs, quand on leur dit ces choses, pas même nos sœurs, toutes les femmes sont comme ça. Quand on leur dit de ces choses, aïe, quand ça entre dans l'oreille, ça pénètre le cœur et ça commence pas à travailler, les yeux commencent pas à sortir de leur tête, de leur orbite et la tête commence pas à réfléchir tant, et on veut sauter. Est-ce que tu as une parachute, toi qui veux sauter, ma sœur? La parachute par excellence, qui va faire en sorte que tu ne vas pas t'écraser sur le sol ou sur la terre, c'est la crainte de l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Hallelujah. Hallelujah. Jeune garçon, fais attention à ta vie. Ne saute pas de fille en fille
et espérer que le Seigneur fasse le choix dans ces conditions. Protège-toi, jeune garçon, chantre de l'Éternel. Tu sais, beaucoup de filles sont tout autour de toi. Beaucoup sont autour de toi. Regarde-les, ces filles qui t'entourent. Oh, qui te regarde avec un certain regard, à te faire glacer le cœur. Attention, protège ta vie, protège ta vie. Il faut te résoudre à ne pas te souiller. Résous-toi à ne pas te souiller. Satan est en train de te guetter. Ne te laisse pas emporté par ces filles qui sont tout autour de toi. Il y en a même qui sont prêtes à se laisser pour toi. Attention, 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 attention. Il faut que ta vie soit en règle. Il faut t'éloigner de la perversité. Agenouille-toi, pose des questions au Seigneur. Pose-lui des questions. Demande-lui de te soutenir, de te montrer la voie. Il y en a même qui attendent à ce que le temps de leur mariage ou le temps, l'âge de se marier arrive avant même de prier pour leur conjoint, de prier pour leur futur conjoint ou leur future épouse. C'est une erreur. Jeune, chantre, même si présentement que tu me suis, tu n'as pas encore l'âge de te marier. Il faut commencer par prier pour cela dès maintenant pour que le Seigneur canalise ta vie dans la bonne direction. Positionne-toi pour que la parole de Dieu prenne chair dans ta vie. Alléluia. Je ne saurais vous mentir, bien-aimé. Je ne saurais vous mentir. Alléluia. Alors, prends soin de toi, jeune garçon. Garçon de l'Éternel, prends soin de toi. Prends soin de ta vie. Protège ta vie. Protège ta vie. Et s'il arrive, peut-être que tu es déjà tombé dans ces choses. Il n'est pas encore trop tard. Reviens à l'Éternel. Parce que ses bras sont encore ouverts pour te recevoir, t'accueillir, te pardonner. Personne n'est ici pour te condamner. Le juste tombe cette fois, dit la parole de Dieu. Mais le verset ne finit pas là. Mais l'Éternel le relève toujours. Permets à ce que l'Éternel te relève et te sorte de cette vie de perversité, de cette vie de fornication, de cette vie de cette vie qui n'est pas correcte. Je t'encourage, bien-aimé. Je t'encourage. Et puisse le Seigneur te soit favorable dans ta quête de conjoint. Je voudrais finir en disant ceci. La femme qui craint l'Éternel sera loué. Le jeune garçon, chantre de l'Éternel, qui craint l'Éternel, sera protégé. Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller. Chantre de l'Éternel, toi aussi, fais de même. Prends la décision de ne pas te souiller. Ni par des images de pornographie, ni par quoi que ce soit qui pourra souiller tes pensées. Résous de ne pas te souiller. Et le Seigneur est là prêt pour te recevoir. Toi, frère et sœur, qui est déjà tombé dans les pièges de Satan, tu peux revenir au Seigneur. Tu as couché avec telle fille, telle fille, telle fille. Tu es le responsable du groupe. Mais tu sautes de fille en fille. Le Seigneur t'aime tel que tu es. Reviens maintenant. Il t'aime toujours. Reviens. Il n'aime pas ce que tu fais, mais il t'aime toi-même. Reviens maintenant. 1 Jean 1,9. Il veut te pardonner, te laver de toute iniquité. Il est fidèle et juste pour le faire. Au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur veut impacter la vie par ton ministère. Permets-le-lui. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, je prie pour mon frère et ma soeur qui me suit maintenant et qui a écouté les quelques conseils que je viens de partager.
Je prie, Seigneur, que tu relèves les cœurs, tu relèves les vies qui sont déjà tombées dans la boue de l'ennemi, Seigneur. Je prie que tu pardonnes. Je prie que tu purifies. Je prie que tu sanctifies. Et que tu fasses en sorte que les bien-aimés fassent de toi et de la crainte de Dieu un critère de choix, un critère de choix pour le choix de leur conjoint. Dans le nom de Jésus, je te loue, Seigneur, de ce que ton nom est glorifié dans chacune de ces vies. Je te loue de ce que tu es en train de révéler quelque chose aux gens, révéler quelque chose dans leur... Tu es en train de déclencher quelque chose dans les têtes maintenant. Déclencher quelque chose dans les cœurs. Je te loue, Seigneur, pour la vie. Pour les cœurs que tu viens de guérir. Ma soeur, toi, tu as été trompée par beaucoup de garçons. Tu as été trompée. Tu as été trompée. Et ton cœur est blessé. Je prie que le Seigneur te pense cette plaie dans ton cœur. Je prie que le Seigneur te console et te fortifie. Non, tous les hommes ne sont pas comme ça. Tous les chantres ne sont pas comme ça. Il y a des chantres sérieux. Ouais, il y a des chantres sérieux. Donc ne dis pas, ok, plus jamais je ne vais m'aventurer dans le sens d'un chantre patati patata. Non. Crains l'Éternel et laisse le Seigneur te conduire au nom de Jésus. Je prie pour les foyers futurs, les chantres qui se marient maintenant, qui vont se marier demain. Je prie pour les frères et sœurs qui sont dans le processus de choix, Père, je prie que tu les éclaires. Ils ne peuvent pas être avec la lumière et marcher dans l'obscurité, Seigneur. Alors je prie que tu les éclaires, que tu leur montres la voie au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et ne permets pas, Père, que Satan les trompe dans le nom de Jésus-Christ. Ne permets pas que Satan les trompe. Révèle-leur ta volonté et montre-leur le choix à faire. Je t'élève, Seigneur Jésus. Tu es Dieu et tu le seras à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, j'ai pris beaucoup de votre temps. Veuillez m'en excuser. Merci pour vous toutes et vous tous qui êtes connectés. Merci à Coco. Merci à Richard. Merci à Edwige. Constant, Dieu te bénisse. Merci à Pusher, merci à Edwige encore, merci à Blessing la paix, merci à tous ceux qui me suivent mais qui sont cachés, merci à Mia, merci à Collins encore, merci à vous tous, amis, Judy, sois béni, merci, merci vraiment de ce que vous permettez que nous partagions ces moments chaque dimanche. Merci beaucoup. Je prie juste que vous partagiez cette vidéo pour que beaucoup plus de personnes en profitent. Soyez bénis. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur Guilty Channel, ma page YouTube, activer les notifications, cliquer sur subscribe et vous serez informé toutes les fois que je mets une nouvelle vidéo là-dessus. Merci à vous tous qui vous abonnez à ma page. Dieu vous bénisse abondamment. Dans le nom de Jésus. Si le Seigneur le permet, le dimanche prochain, nous allons encore nous voir. Soyez bénis et soyez fortifiés. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Fondement de base pour un choix de conjoint. Amen. Bye bye.